Arrivée à la tête du journal télévisé de France 2 en 2017, Anne-Sophie Lapix s'est prêtée au jeu des questions-réponses au cours d'une interview accordée aux Parisiens ce 26 août. Elle a évoqué l'évolution du format du JT à la rentrée prochaine, ainsi que sa carrière professionnelle au cours de l'entretien. En réponse à une question qui suggérait le fait qu'elle pouvait paraître pugnace en interview, la journaliste de 51 ans a répondu en toute franchise. Je n'ai pas l'impression d'être violente en interview. Je veille à ne pas trop couper la parole, car les téléspectateurs n'aimant pas ça, a-t-elle expliqué en premier lieu. Elle a ensuite rappelé quel était son rôle, en tant que journaliste, lors de ces échanges. Mais je suis parfois obligé de le faire, parce qu'une interview n'est pas une tribune. Elle sert à confronter les politiques avec leurs engagements, leurs promesses. Il faut relancer pour chercher des explications, a-t-elle affirmé. Supérieure à Sophie d'avant, Anne-Sophie Lapix, Daphné Burki. Les stars de la conférence France Télévisions. La journaliste sereine par rapport à un éventuel départ au cours de l'interview, Anne-Sophie Lapix a également fait quelques confidences au sujet de son départ futur du journal télévisé. Elle a spécifié qu'elle était assez sereine par rapport à cette éventualité. Il y a 6 ans, quand la présidente de France Télévisions m'a confié ce poste, des oiseaux de mauvais augure prédisaient le pire. Finalement, ça s'est bien passé et je suis heureuse d'être encore là, a-t-elle confié dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué, le jour où on me demandera de partir, cela ne me traumatisera pas, dans le sens où je m'y attends. Je suis absolument convaincu qu'on n'est pas propriétaire du journal. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.